L'absence à la présentation des JT de Télématin de Johanna Gilia va être compensée par la présence de Lucie Chaumette du lundi 27 février au jeudi 2 mars. Télé Loisirs vous propose de faire connaissance avec la jeune femme. À peine de retour, Johanna Gilia va de nouveau s'absenter des plateaux de Télématin. Pour combler son absence, l'équipe va être complétée par la présence de la journaliste Lucie Chaumette du lundi 27 février au jeudi 2 mars. L'élégante blonde de 33 ans va assurer la présentation des JT matinaux de l'émission de France 2. Un rôle que la trentenaire a déjà assuré par le passé. Mais pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec la présentatrice, Télé Loisirs vous propose de vous faire un rapide portrait de cette dernière. Lucie Chaumette, la passion du journalisme lui est venue à l'adolescence lors d'un entretien accordé à nos confrères de La Voix du Nord. Lucie Chaumette expliquait que son envie de devenir journaliste remontait à la fin de son adolescence et découlait d'une envie de parcourir le monde. En réalité, ce n'est pas du tout ce que je fais. Il y a énormément de choses géniales à faire quand on est journaliste, et je suis très contente de l'être, nuançait-elle. Elle met toutes les chances de son côté pour le devenir et obtient une double licence de sciences politiques et de journalisme au sein de la prestigieuse école de l'Aigle-Lille. Dans la foulée, elle rejoint la rédaction d'Itélé Ex-Cnou puis Euronews. Sa carrière est lancée. La journaliste rejoint France Télévisions en 2016. En 2016, elle intègre la rédaction de France Info dans la peau d'une rédactrice. Après des années de bons services, elle devient co-animatrice de la tranche 17h à dès 2018 puis 18h à partir de 2021. Dans le groupe, elle a aussi eu de belles responsabilités comme lorsqu'elle avait été choisie pour gérer l'une des allocutions de Jean Castex lorsque ce dernier était encore Premier ministre. Du côté de sa vie privée, la jeune trentenaire a deux passions, la danse et l'histoire. Dès qu'elle entend une musique résonner, cette passionnée de la Seconde Guerre mondiale ne peut s'empêcher d'effectuer quelques pas de danse. Et puis, si est-il donc aussi l'intérimaire de Johanna Gilia dans Télématin. Une belle carrière. À lire aussi Télématin, une chroniqueuse annonce une heureuse nouvelle, l'équipe de l'émission la félicite.